Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouveau programme de muscu. On va bosser le pic. Je montre là, mais là, on va pas. Le pic du biceps, ok? On va bosser ça là. Tranquillement. Prépare tes haltères, une bouteille d'eau et on y va. Premier exercice, curl biceps unilatéral, emprise marteau. C'est parti. 4 fois 10 reps. Hop! On prend les haltères comme ça, tranquillement et. Ouh! Une. Hop, 2, 3, ok, 4, 5, 6, allez, faut remplir ses bras, 7, allez, hop, 8, 9 et 10. Hop, je mets mon petit trait tranquillement. Ouf. Et je mets mon chrono qui est parti. Parce que je sais plus où il est. Voilà, il est là. Hop. Je mets mon chrono. Alors, les biceps, en général, c'est un muscle qui récupère très rapidement. Donc, en temps normal, c'est une minute de repos. Normalement, pas une trente. Si tu es débutant. Et c'est chaud, va jusqu'à 1h30. Mais si voilà, ça fait environ 1 à 2 mois que tu fais un peu de sport, 30, une minute de repos, j'ai l'air 30 secondes, une minute max. Moi, je vais m'arrêter à 35, ok? Non, 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 je suis non, 50. 30, en fait, j'ai dit ça, il était déjà 35. Donc 50. Je vais m'arrêter à 50 et voilà, on va envoyer tranquillement. Ah non, je suis fou. 35, jamais. Peut-être tout à l'heure, je vois. Non, mon chrono est parti. Ok, c'est bon, on va repartir. C'est parti. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. Ok. On contrôle bien. Cinq. On s'amuse. Hop. Six. Allez. 7, 8, 9, oh, et 10. Oh. Hop, mon petit trait pour pas oublier. Et mon temps de repos. Comme je le dis, hein, bosser en unilatéral, ça permet de bien isoler son bras et de base pour attraper les points faibles de bosser en unilatéral. Le biceps c'est pas un point faible mais moi je le bosse comme si c'était un point faible. Mon biceps je le matraque. Pour moi il n'y a pas de point faible. Je les bosse fort quand même. En étant naturel, on peut pas corriger ses points faibles en un claquement de doigts, tu vois. Donc tu es obligé de matraquer. Et si mes points forts sont forts en étant naturel, ben je veux qu'ils soient très forts en étant naturel, tu vois. D'ailleurs, en parlant de naturel, il y avait un réel que j'ai posté sur Instagram. Ah, là, on me prend pour un chargé. Même moi, quand je le vois, je doute. C'est incroyable. Mais ça, je t'en parlais dans une vidéo qui sortira prochainement. Allez, on repart. Allez. 7. 8. 9. Et 10. Je mets mon petit trait tranquillement. Mon temps de repos. Et le premier exercice sera validé. Oh. Faut que je regarde ce que j'ai mis dans ce programme-là. Ok, ça va, c'est lourd. Parce que j'avais un trou sur l'exercice numéro 3. Ah. Là, on commence, on est tranquille. C'est le début de la séance. Biceps, on est bien. Par contre, il faut que j'aurai le temps.
je suis mort. Et si tu suis ce que j'avais dit dans mes premières vidéos programme, à chaque fois que tu vois les mêmes lumières derrière qu'un programme précédent, ça veut dire que ce programme a été fait le même jour. Ok? Ça veut dire que ce programme-là a été fait le même jour que mes deux programmes épaules. Là, c'est le troisième que je fais. Allez. 50, on y va, on repart tranquillement. Position de départ. On se met là et on balance. Hop. Une. Ok. Hop. Deux. On prend notre temps. Super. Allez. Trois. Ok. Quatre. Ok. Allez. Cinq. Ok. Six. Ok. Allez. Sept. Ok. Huit. Allez. 9 et 10. Hop, voilà. On prend une à deux minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 2, c'est un exercice qui va faire mal. On va se faire du double curl biceps en serré. D'accord ? Donc tu vas prendre tes haltères, tu vas essayer de les bloquer comme ça ou les coller si tu peux les coller. C'est des haltères de salle et hop. Oh, ça va faire mal. Et comme je t'ai dit dans mes programmes, c'est l'exercice 2 en général qui fait que tu rentres dans le bain. Ok, 4 fois 10 reps, c'est parti. Hop. Hop. On colle bien sa terre comme ça. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. On me titrait. Voilà. À ça, ça fait que je rentre vraiment dans le bas. Mon chrono, je l'ai lancé. Je l'ai mis juste devant moi. Comme ça, je suis bien. Oh. Je sais pas si tu me suivais quand j'avais fait mes reps avec mon curl bar Z. Je voulais aller jusqu'à 500 reps au curl bar Z, mais. Je suis resté à 300. D'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, le principe, c'est de prendre la barre Z, faire 100 reps, ok? Après, de faire 200 reps, après, de faire 300 reps et aller jusqu'à 500. Au bout de 300, la tangine, elle commence à venir. Je me suis fait, bon, je m'arrête à là. Il serait bête de se blesser, d'accord? Et c'est pas grave. Au moins, j'irai aller au bout. Je serai allé au bout de mes limites. 52, on va repartir. Allez. Oh. 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ouh, tu peux pas savoir comment c'est un sacrifice de faire un programme et de parler en même temps. Là c'est ma deuxième, j'ai pas mis mon trait. C'est un sacrifice de parler en même temps que tu pousses. Là, tu vois, là, le temps, il passe vite. Il passe vraiment vite. Oh. Hey. Mais bon, je commence à me refroidir un peu. Parce que là, il fait froid, là, où je suis. J'ai enlevé le chauffage, d'accord. En même temps, je vais pas faire du sport et mettre le chauffage. Ça serait très con. Et voilà. Ah ouais, hey, là je suis mort là. Je peux même pas écouter ma vie tranquillement. Je suis KO. 47, 48, on va repartir. Tranquillement, allez. On bloque les haltères en bas. Et on y va. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh putain. Il en manque une dernière. Il en manque une dernière. Mais ça fait du bien. Je me vois un peu au retour. Ouais. Là, tu vois, mon bras, il est bien rempli. Oh. Normalement, toi aussi, tu commences à être congestionné. Tu commences à être bien. Tu commences à être content. Oh. Les biceps, faut les matraquer. Faut vraiment. Faut taper dedans. C'est un muscle. Il récupère vite.
il fait mal vite, mais il récupère vite, d'accord? C'est un muscle ingrat, tu vois. Tu vas le bosser, il va te faire mal, il va te faire souffrir, chaque coup tu vas bosser, tu vas souffrir, mais derrière, il va récupérer vite, d'accord? Donc ça veut dire, faut pas que tu le laisses se reposer, faut que tu le matraques fort. Allez, on va repartir tranquillement, 50, hop, dernier. On bloque les haltères et 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. On prend 1 à 2 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Dernier exercice, on va faire un exercice phare, un exercice de base, un classique. Le curl biceps, hop, assis, comme ça. Donc, ta jambe sera ton appui, d'accord? Tu te mets comme ça, tu prends ton haltère. Et voilà, on va se faire 10 reps de chaque. T'es prêt? On y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, hop, 8, 9 et 10. Pareil pour l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Je mets mon petit trait. Oh. Là, je vais prendre un temps de repos assez court parce que je me suis bien reposé. En vrai, je t'ai dit ça, mais non, je me suis pas bien reposé. Hein. Je me suis reposé 2 minutes avant de repartir. Donc, non, je vais pas prendre un temps de repos court. Il fait mal quand même cet exo. Je vais prendre. Allez, 40. 40, c'est bien, 40. Oh. N'hésite pas à me dire quel programme tu as envie de voir, si je l'ai pas déjà fait ou pas. Mais on va essayer de faire. Beaucoup de choses, plein de choses et du contenu de fou pour t'aider à progresser. Il est 42, on repart. Oh, allez, 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, 2, oh, 45 secondes, c'est parfait pour moi. C'est parfait pour moi, ça me fait bien récupérer. Et ça, en fait, ça amuse un peu, mais je récupère. Je sens que quand même, je récupère bien. À 45 secondes. Oh. Ah là, je suis KO. Troisième exercice, je suis KO. Oh. Là, tu sais, je pense à quoi là? Je pense à mes problèmes abdos, comment ça va me faire mal. Incroyable. Pourquoi vous me demandez les abdos aussi? Demandez-moi le dos, les jambes, non pas les jambes, mais je vais faire ça, je fais les choses bien, t'inquiète, bon on repart, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, très bien, on va faire ça avec l'autre, tranquillement, 1, 2, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ok. Je mets mon temps au troisième petit trait et il en manque une et c'est fini. Niveau de la congestion, comment c'est? Est-ce que tu vois bien? Moi la caméra elle est loin donc je vois pas bien. J'aurai mon retour. Ouais, la congestion, elle est bien. Franchement, c'est dommage que sur YouTube,
Vous pouvez pas poster des photos en commentaire pour montrer la congestion, montrer que vous avez fait le programme et tout. Ah, ça peut être cool ça. Mais promis, si la communauté s'agrandit bien, avec les programmes de sport comme ça marche bien, j'essaie de faire un truc, un groupe, une page, que ce soit sur Insta ou je sais pas où, où on peut tous se motiver entre nous, d'accord? À faire notre programme, à faire notre truc. Franchement, je suis chaud. Mais j'attends de voir l'ampleur ou pas que ça va donner. Et s'il y a une bonne ampleur, on va faire ça. On va faire un petit groupe de motivation. On va parler de nourriture. On va parler de programme. On va montrer nos shapes, nos résultats. Ça peut être intéressant. Là, on est déjà à 1 minute. 1 minute 10. Wow. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf et dix. Ok, l'autre. Hop. Une, deux, trois, allez, quatre, ok, cinq, ok, six, sept, huit, neuf et dix. Bon, prends une, deux ou trois minutes de repos et soit tu passes un autre programme sur ma chaîne ou bien alors la séance est finie pour toi. Tu peux aller te rincer tranquillement parce que ta séance est validée. Voilà pour cette vidéo programme. J'espère que tu as aimé ce contenu, que ça t'a fait du bien, que ça te fait souffrir. Comme je t'ai dit, c'est soit tu passes un autre programme tranquillement ou bien c'est fini, tu peux te rincer tranquillement. Mets un like, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Mets un commentaire si t'as fait ce programme-là, si t'as fait du bien, si t'as cramé. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Oh, moi, je vais me rincer.